Salut tout le monde, eu sou o Adir Ferreira e hoje temos um diálogo Le Bébé, onde o nosso amigo Xavier vai cuidar dessa bebezinha bonitinha aí, mas ele realmente não sabe muito o que fazer. A gente vai escutar e ler esse diálogo já já, mas lembra de pegar o seu guia de conversação em francês, o link está na descrição do vídeo. Lembra também de se juntar ao Clube Francês Autêntico, seu clube com conteúdo exclusivo. E lembra também o último recado de participar do nosso grupo do WhatsApp. É um grupo fechado, não tem sua tia dando bom dia. É só para você receber as novidades por lá. Se você preferir, também tem o canal do Telegram para você receber todas as novidades antes de qualquer pessoa, d'accord? Agora, vamos começar? Oh là là, c'est la catastrophe. Jean compte sur nous pour garder sa fille de 6 mois vendredi soir prochain. Mais je ne me suis jamais occupé de bébé. C'est fantastique ça, j'adore jouer les nounous. Mais que va-t-on faire? Je ne sais même pas changer une couche. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Est-ce que le bébé sera couché lorsque tu vas le garder? Non, on doit même lui donner le biberon. Surtout, tu ne dois pas t'inquiéter. Il faut juste que le biberon soit à la bonne température. Tu peux verser un peu de lait sur ta main pour vérifier que ce n'est pas trop chaud. Ensuite, tu prends le bébé sur tes genoux et tu inclines le biberon de façon à ce que le bébé n'avale pas l'air. Et ensuite? Ben, quand elle a terminé de boire, tu la gardes un peu dans tes bras en attendant qu'elle fasse son rôle. Tu peux lui tapoter légèrement le dos si tu veux. Et pour changer la couche? Eh bien, tu l'allonges sur la table allongée, tu lui enlèves son pyjama, tu retires la couche sale, tu essuies le bébé avec des lingettes. Ensuite, tu lui mets un peu de crème sur les fesses si elles sont irritées. Et enfin, tu lui mets une nouvelle couche et tu la rhabilles. Et que va-t-il se passer si je lui mets sa couche à l'envers? Ça n'arrivera pas, donc pas besoin de poser la question. Comment est-ce que je la couche? Eh bien, tu la prends dans les bras, tu mets une lumière tamisée, tu lui racontes une histoire. Lorsqu'elle est calme, tu la couches dans son berceau et si tu veux, tu peux lui chanter une berceuse pour qu'elle s'endorme. Et si elle se réveille en pleurant dans la soirée? Tu peux lui donner sa tétine ou son doudou préféré. Mais dis-moi, tu te comportes comme si tu ne t'étais jamais occupé de bébé de ta vie. Oui, mais c'est tout à fait ça. Je suis fils unique. E começamos. Oh là là! Nossa! Oh là là! Não o, tá? Oh là là! Oh là là! C'est la catastrophe! Nossa, uma catástrofe! Jean compte sur nous. Jean compte, está contando com a gente. Compte sur nous. Pour garder sa fille de 6 mois. Para olhar, para cuidar da sua filha de 6 meses. Vendredi soir prochain. Na próxima sexta-feira à noite. Mais je ne me suis jamais occupé de bébé. Mas eu nunca cuidei de bebês. Como aqui é um verbo reflexivo, je ne me suis jamais occupé, a gente usa o verbo être para fazer o passé composé. C'est fantastique ça! Isso é fantástico! J'adore jouer les nounous. Eu adoro brincar de babá. Eles realmente não são babás profissionais, então jouer les nounous. Mais que va-t-on faire? Mas o que, que a gente vai fazer? Aqui eu uso on porque são essas duas pessoas. Je ne sais même pas changer une couche. Je ne sais même, eu nem sei trocar uma fralda. Changer une couche. Ne t'inquiète pas. Não se preocupe. Tout va bien se passer. Tudo vai dar certo. Olha onde vai esse advérbio. Ó. Tout va bien se passer. Antes do verbo. Est-ce que le bébé sera couché lorsque tu vas le garder? Est-ce que, então, o bebê estará dormindo ou já deitado quando você for lá olhar? Est-ce que le bébé sera couché lorsque tu vas le garder? Non, on doit même lui donner le biberon. On doit même, a gente tem que inclusive lui donner, dar para ela le biberon, a mamadeira. Aqui eu não vou pronunciar esse E, biberon, biberon. Surtout, especialmente, antes de tudo, tu ne dois pas t'inquiéter.
Você não tem que ficar preocupado. Il faut juste que le biberon soit à la bonne température. Il faut juste que só é necessário que a mamadeira esteja na temperatura correta. Tu peux verser un peu de lait? Você pode derramar um pouco de leite sur ta main, em cima da sua mão, pour vérifier, para verificar, para checar que ce n'est pas trop chaud, que não é ou que não está quente demais. Ensuite, depois, dando uma sequência aqui, tu prends le bébé sur tes genoux. Você pega o bebê nos teus joelhos, coloca no colo e tu inclines le biberon, inclina a mamadeira, de façon à ce que le bébé, de maneira em que o bebê n'avale pas d'air, não engula ar. E ensuite, e depois? Bah, quand elle a terminé de boire, quando ela tiver terminado de beber, tu la gardes un peu dans tes bras. Você fica com ela um pouco nos braços. Você segura a bebê. En attendant, esperando que elle fasse son rot, que ela faça o seu arroto, que ela arrote. Tu peux, você pode, lui tapoter, dar um tapinha nela, légèrement, de leve, le dos. Então, dá um tapinha nas costas, de leve, si tu veux. Se você quiser. Et pour changer la couche? E para trocar a fralda? Eh bien, bem. Tu l'allonges sur la table allongée. Você coloca ela deitada na mesa de trocar a fralda. Longer é um verbo específico para trocar a fralda. Tu lui enlèves son pyjama. Você tira dela o seu pyjama. Tu retires la couche sale, retira a fralda suja. Tu essuies le bébé avec des lingettes. Você limpa o bebê com lenços umedecidos. Ensuite, depois, tu lui mets un peu de crème sur les fesses. Você coloca nela um pouco de creme, de pomada no bumbum, si elles sont irritées, se elas estiverem irritadas, assadas. Et enfin, e enfim, no final, tu lui mets une nouvelle couche. Você coloca nela uma nova fralda e tu la rhabilles. E você a veste novamente, ó. Rhabiller, colocar a roupa de novo. Et que va-t-il se passer? E o que vai acontecer se je lui mets sa couche à l'envers? Se eu lhe coloco a fralda do avesso? Ça n'arrivera pas. Isso não vai acontecer. Donc, pas besoin de poser la question. Então, não precisa nem fazer essa pergunta. Donc, pas besoin de poser la question. Comment est-ce que je la couche? Como que eu coloco ela para dormir? Comment est-ce que je la couche? Eh bien, tu la prends dans les bras. Você pega ela no colo, nos braços. Tu mets une lumière tamisée. Você coloca uma luz mais baixa, mais fraquinha. Tu lui racontes une histoire. Você lhe conta uma história. Lorsqu'elle est calme, assim que ela estiver calma, tranquila, tu la couches dans son berceau. Você coloca ela para dormir no berço. Et si tu veux, se você quiser, tu peux lui chanter une berceuse. Você pode cantar para ela uma canção de ninar, une berceuse, pour qu'elle s'endorme. Para que ela adormeça, pegue no sono. E se elle se réveille en pleurant dans la soirée? E se ela acordar chorando durante a noite? Tu peux lui donner sa tétine. Você pode lhe dar a sua chupeta. Ou son doudou préféré. Ou seu brinquedinho doudou préféré. Mais dis-moi, mas me conta. Tu te comportes, você se comporta, está agindo como se tu ne t'étais jamais occupé de bébé de ta vie. Como se você ne t'étais jamais occupé, nunca tivesse cuidado de bebês
na sua vida, de ta vie. Olha essa preposição. Oui, mais c'est tout à fait ça. É, mas é justamente isso. Je suis fils unique. Eu sou filho único. Agora a gente vai escutar e ler esse diálogo novamente e a gente se vê em breve. On se voit. Oh là là, c'est la catastrophe. Jean compte sur nous pour garder sa fille de 6 mois vendredi soir prochain. Mais je ne me suis jamais occupé de bébé. C'est fantastique ça, j'adore jouer les nounous. Mais que va-t-on faire? Je ne sais même pas changer une couche. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Est-ce que le bébé sera couché lorsque tu vas le garder? Non, on doit même lui donner le biberon. Surtout, tu ne dois pas t'inquiéter. Il faut juste que le biberon soit à la bonne température. Tu peux verser un peu de lait sur ta main pour vérifier que ce n'est pas trop chaud. Ensuite, tu prends le bébé sur tes genoux et tu inclines le biberon de façon à ce que le bébé n'avale pas l'air. Et ensuite? Ben, quand elle a terminé de boire, tu la gardes un peu dans tes bras en attendant qu'elle fasse son rôle. Tu peux lui tapoter légèrement le dos si tu veux. Et pour changer la couche? Eh bien, tu l'allonges sur la table allongée, tu lui enlèves son pyjama, tu retires la couche sale, tu essuies le bébé avec des lingettes. Ensuite, tu lui mets un peu de crème sur les fesses si elles sont irritées. Et enfin, tu lui mets une nouvelle couche et tu la rhabilles. Et que va-t-il se passer si je lui mets sa couche à l'envers? Ça n'arrivera pas, donc pas besoin de poser la question. Comment est-ce que je la couche? Eh bien, tu la prends dans les bras, tu mets une lumière tamisée, tu lui racontes une histoire. Lorsqu'elle est calme, tu la couches dans son berceau et si tu veux, tu peux lui chanter une berceuse pour qu'elle s'endorme. Et si elle se réveille en pleurant dans la soirée? Tu peux lui donner sa tétine ou son doudou préféré. Mais dis-moi, tu te comportes comme si tu ne t'étais jamais occupé de bébé de ta vie. Oui, mais c'est tout à fait ça. Je suis fils unique.